mes chers amis, de quoi nous voulons parler ce soir? Un sujet très intéressant et très important. Déjà, vous savez, il y a beaucoup de choses qui passent dans le monde. Paris devient capitale européenne de la trésorerie européenne va être transférée à Paris suite à la fermeture en Angleterre, suite à la sortie des Britanniques de l'Europe. Bonne nouvelle pour l'économie française. Macron, il a réussi à obtenir cette faveur pour la France. Et concernant les médicaments, va aller à Amsterdam. Encore quoi? Problème de la Libye, des désordres et des problèmes. Des réfugiés, esclavagistes, pauvreté, viol, torture, etc. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'ancien patron de Médecins du Monde, Jacques Mamon. Dès qu'on entend le témoignage de ces personnes, on a envie de pleurer pour le peuple africain, pour le Mali, Niger, Libye, tout ce qu'ils sont en train de subir actuellement dans ce monde de pourri, mes chers amis. De l'autre côté, vous avez le problème de Liban n'est pas encore réglé. M. Saad Hariri est à Paris, accueilli par le président Macron. Macron va avoir une rôle assez importante pour installer la paix, au moins, entre les deux tendances islamistes du quartier, Proche-Orient, Moyen-Orient. Et vous savez, quand je voyais le visage de Saad Hariri, il part. Il parle de ce qu'il souffre, ce monsieur-là. Ce monsieur, il était obligé de démissionner, il était obligé de dire certaines choses. Et surtout quand il vient à Paris, deux de ses enfants, le plus petit, restent en Arabie Saoudite, sans pour sans, sans aucun doute, comme des otages, pour qu'ils continue à obéir ce qu'on va le dicter d'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, comme vous savez, il y a beaucoup de princes, beaucoup de hommes riches de la famille, de pouvoir a été arrêté. Et ces arrestations de masse des Saoudiens comprenaient dedans Monsieur Saad Hariri, sans aucun doute, lui, il ne veut pas le dire, parce qu'il a ses enfants là-bas, deux enfants d'enfants, comme otage. On va voir comment ça va se terminer, et tous ces problèmes-là. Mais pour changer un peu le thème de nos débats de ce soir, j'aimerais parler avec vous sur HARP. H. Ou H, quand on écrit en français, on le prononce A, on ne le prononce pas He, H. Alors, il y a quelque chose dans le monde, je ne sais pas, une grande partie parmi vous, sans aucun doute, vous le connaissez. Les gens qui ne connaissent pas ce soir, vous allez découvrir quelque chose, une nouveauté, assez intéressant, assez important, assez puissant, assez délicat. Ça c'est quoi? C'est une arme, mes chers amis. Pendant certains temps, on le disait projet. Maintenant, c'est 100%, c'est une arme. Mais n'importe quelle arme, non. C'est électromagnétique. C'est une arme électromagnétique qui dépasse nucléaire, mes chers amis. Enfin, nucléaire, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose encore. HARP, c'est quoi? On dit que c'était pour la première fois inventé, découvert par les savants de l'Union soviétique après les États-Unis l'avaient acheté.
On dit qu'il y avait une collaboration après amélioration de deux côtés, etc. C'est une longue histoire que moi, David Abbassi, ce soir, je ne peux pas parler dans mon émission sur l'origine de cette arme nouvelle, destructeur de harpe. Mais de toute façon, on dit actuellement, beaucoup de pays, ils tiennent cette technologie moderne. Harpe, la Russie, les États-Unis, Chine et plusieurs autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec harpe? Avec harpe, on peut manipuler les pensées des gens. Vous avez entendu cette histoire. On peut envoyer des ondes pour les milliers et millions d'individus qu'ils deviennent fous. On dit à Rwanda, en Afrique, on a utilisé ce système, cet arme. On peut l'utiliser pour climatique, pour améliorer le climat, fabriquer certaines choses. On peut arrêter, empêcher certains tremblements de terre qui est tellement fort. Mais en même temps, on peut créer le tremblement de terre. On peut faire beaucoup de choses avec cette arme électromagnétique nommée harpe. Depuis des années, on parle de ça. Beaucoup de débats à ce sujet. Même il y avait un gouvernement américain, lui-même, il était allé faire des enquêtes sur ce sujet assez intéressant. Alors, déjà, les États-Unis, ils tiennent une grande caserne, on peut dire, une grande station de cette arme électromagnétique en Alaska. Alaska, 180 antennes de cette arme existent qui l'envahissent la force qu'il a, qui est tout à fait différente avec tous les armements que vous avez entendus jusqu'à maintenant, jusqu'à 50 mètres, non, 50 kilomètres souterrains. Il faut fabriquer les tremblements de terre. Alors déjà, on parle sur 3 tremblements de terre qui ont été fabriqués par harpe. C'est le dos. Haïti et celle du Japon, mars 2011. Ce n'est pas des histoires que je raconte. J'ai fait une recherche pendant quelques jours. Et surtout, on parle beaucoup des savants, des professeurs, des gens qui connaissent cette technologie. Que ça, c'était... Ces 3 troublements de terre, le troisième, je vais vous dire c'est laquelle. C'était fait par harpe. Même celle du Japon, le 11 mars 2011, et il y avait des confirmations par les hommes d'État japonais, que vous pouvez trouver tous leurs témoignages sur l'Internet. Après les responsables, les ministres japonais, ils viennent à répondre à ces propositions, pas accusations, je ne sais pas quoi. Cette personne, il dit, responsable haute autorité de Japon, il dit, même si on va considérer que ce troublement de terre s'était fait par les Américains dans notre pays, maintenant que nous avons besoin d'aide, il ne faut pas refuser leur aide, et surtout qu'on n'est pas sûr que qui a fait ça. C'est-à-dire, tout le monde a dit que c'était fait par harpe, mais on ne sait pas c'est qui. Et cette grande responsable politique en pouvoir japonais, il insiste en disant que la Chine, la Russie, les États-Unis et plusieurs autres pays, ils ont cette arme. Cette arme qui fait tout, mes chers amis.
Je ne peux pas vous donner des explications, même si je vous donne une liste tellement énorme. Cette nouvelle technologie va changer le monde, a déjà changé le monde. Alors, dernier tremblement de terre, quand on dit c'était fabriqué par A, c'est celle de Kirmanshah en Iran, la semaine dernière, dimanche. Pas ce dimanche, l'autre dimanche, il y avait un tremblement de terre assez fort au Kurdistan iranien et Kurdistan d'Irak. Et là aussi, on dit, ça c'était rare, puisque moi j'ai vu les films, et la lumière qui descend, comme je vous ai dit, à 50 km sur Terre, pour créer cet troublement, c'était filmé. Et beaucoup d'autres témoignages, et beaucoup d'autres personnes qui ont dit qu'ils ont vu des choses dans le ciel qui correspondaient exactement à cette histoire qu'on raconte de cette arme nommée HARP. Et surtout dans certains reportages que j'ai regardé, visionné, de l'année 1998-1999, qu'à l'époque, ils parlaient de projets qu'on avait, ils ne disaient pas encore où on a pu essayer à HARP. On voit les éléments du départ de cette fabrication de tremblements de terre qui est identique avec ce qui s'était filmé en Iran la semaine dernière, comme avant vous voyez, j'ai diffusé la semaine dernière, jeudi dernier, dans mon émission en personne, mais ici, puisqu'on n'a pas d'image, c'est la radio, vous ne pouvez pas regarder même si je vous diffuse, mais ça existe, c'est-à-dire les éléments c'était les mêmes, et on disait que ça c'était un tremblement de terre fabriqué. Alors c'était fait par qui? Ça, on ne sait pas, hein? Mais il ne faut pas oublier que déjà, Iran, depuis 40 ans, il est en train de donner des slogans et être armé et contre certaines puissances mondiales, qui soient l'Amérique, qui soient les États-Unis d'Amérique et l'Israël. Et toujours dans leur prière de vendredi ou je ne sais pas quand, quand ils font, il dit, à la fin, il dit « Abba, Abba, Israël, Abba, Abba, Amérique », il dit « Amérique, Amérique ». En même temps, les missiles de balistiques que l'Iran a, comme vous avez pu constater, sous ces milices et ces missiles, quand ils l'envoient, et il écrit encore « Abba, Israël, Abba, Amérique », une provocation, une volonté de détruire d'autres peuples, d'autres pays. Ça, c'est d'un côté, c'est-à-dire lui-même, il déclare la guerre aux autres pays. Après, d'autres pays, il ne faut pas oublier le problème des missiles de Yémen vers l'Arabie Saoudite, il y a déjà quelques semaines, qui a fait beaucoup de polémiques, et surtout la démission de M. Saad Hariri concerne cette missile qui a été touchée l'aéroport de Riyad, et surtout que les Saoudiens aussi ont dit qu'ils ne vont pas le laisser sans réponse, cette attaque, et ils l'ont considéré comme attaque. Et de l'autre côté, les menaces permanentes des États-Unis, M. Trump, contre Corée du Nord, qu'aujourd'hui il a déclaré Corée du Nord comme un pays terroriste, et il a mis les pays terroristes, Corée du Nord, et de l'autre côté, l'Iran qui était déjà reconnu pays terroriste, voilà. Et autre chose qui est très importante, c'est le voyage de Mohammed bin Salman, celui qui gouverne actuellement en Iran, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, comme vous avez pu entendre, tout le monde est d'accord que le roi Salman, il est seulement un roi d'honneur. Le pouvoir d'exécution est à la main de son fils, qui en même temps qu'il dirige plusieurs ministères, et il est le successeur de Trump également. On dit c'est lui qui gouverne là-bas. Alors lui,
officiellement, il était allé en Israël. C'était diffusé, cette information, dans les médias israéliens. Le prince héritier d'Arabie Saoudite est allé rencontrer M. Benjamin Netanyahou officiellement. Et ils ont serré les mains en disant que nous sommes alliés. Nous ne sommes plus des ennemis, on est alliés. Alliance forte avec Israël, alliance forte avec l'Amérique. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier tout ce qui se passe dans le monde. C'est business, on peut acheter tout ce qu'on veut. Mais il y a certaines versions aussi, ils disent, puisque l'Iran, même peut-être lui-même, il est pour l'acheter, cette arme électromagnétique de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire on dit même peut-être l'Iran lui-même aussi, il a cette arme, si ça n'était pas fait par ses ennemis, c'était fait par lui-même, pour martyriser le visage de la République islamique d'Iran, surtout qu'actuellement, il est ciblé par la totalité des pays arabo-musulmans, dirigés par l'Arabie Saoudite et par les États-Unis, et seulement c'est Poutine qui est avec la République islamique d'Iran. Autre élément qui nous montre, on savait déjà que ce problème va arriver, c'est que avant ce tremblement de terre en Iran, M. Poutine, il était allé en Iran rencontrer le guide spirituel Ali Khamenei, et ils ont discuté, parlé longtemps ensemble, et sans interprète. C'est-à-dire, Ali Khamenei, il ne parle pas russe, non plus, puisque je le connais bien, il y a déjà 40 ans que je ne l'ai pas vu, mais je le connais, il ne parle pas non plus l'anglais, fort, quelques mots, mais il parle bien turc. Vladimir Poutine, puisque c'est un président ex-agent de KGB, s'il parle plusieurs langues, c'est possible qu'il parle la langue de Tadjikistan, persan, ou la langue turque d'Azerbaïdjan, puisqu'il est Ali Khamenei, il parle turc, Azerbaïdjan. Peut-être c'est comme ça qu'ils ont parlé ensemble, ou comment ils ont fait sans interprète, ça à voir. Mais de l'autre côté, quand il a parlé avec Rouhani, le président iranien, les visages étaient un peu pâles. Le haut visage, surtout le visage de Rouhani, quand je le vois. Je crois, et c'était marqué, noté, informé, diffusé, comme quoi Poutine, il voulait informer l'Iran de cet tremblement de terre. Mais qui a fait ça, ça je ne sais pas. Personne jusqu'à maintenant ne peut pas dire de savoir qui a fait ce tremblement de terre, mais l'utilisation de HAARP est nette et claire. Mais autre élément assez important, c'est certains éléments que je vous donne ce soir, cet élément assez important, c'est quoi? Ce que l'endroit choisi, c'est un endroit à discuter. C'est Kurdistan iranien. Cette partie d'Iran, ces gens-là, les Kurdes, ou ils sont zoroastriens, ne sont pas musulmans, ils sont zoroastriens, ou ils sont sunnites, ne sont pas chiites. C'est pour ça même, on m'avait envoyé énormément de messages qui ont été publiés en Iran. Ça, les messages m'ont été envoyés, nous sommes très forts concernant l'Iran, parce que depuis 40 ans, tout ça, on est très forts en Iran, voilà. En avant, il y a beaucoup de messages qu'un jour, même maintenant, je peux le publier par le voie email ou d'autres systèmes que vous le connaissez, que dans certains endroits en Iran, on voyait que les gens, une partie, les intégristes chiites, ils étaient contents de ce tremblement de terre à Kurdistan. Ils disaient, puisque ces gens-là, c'est des sunnites, ah, c'est tant mieux qu'ils sont, ils étaient tués, puisqu'ils sont zoroastriens. Et cette manifestation de la joie existe également. C'est pour ça, cette doute aussi existe, que qui a fait ça? Qui a commandité ce tremblement de terre en Iran récemment par HAARP? Ça c'est à voir. On ne sait pas. Moi, je vous ai donné des éléments. Mais d'où vous, mes chers amis, si vous savez des choses,
Si vous connaissez des choses, je vais être ravi de vous entendre. Vous pouvez partager votre point de vue avec nous. Et nous, on va être ravis de vous entendre, mes chers amis, pour voir que pensez-vous à ce sujet. Mais avant tout, permettez-moi de vous envoyer un petit échantillon d'informations concernant HARP. C'est quoi HARP? Restez avec nous, mes chers amis. Bon, moi, je suis Nerman Yaran. Merci. Minimum bien. On va retourner, mes chers amis. À tout à l'heure.